Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sous ce soleil radieux. Et cette lumière est magnifique sur cette pelouse de grande qualité. Vraiment, les conditions de jeu sont parfaites aujourd'hui pour cette affiche que vous attendiez tant. Vous le voyez sans doute, les tribunes sont pleines, la météo donne le sourire aux spectateurs. Pour nous que ça dure, allez, tout est réuni pour qu'on vive un beau moment ensemble. Quoi qu'il en soit, c'est un plaisir d'être dans ce stade. Et le coup d'envoi a donc été donné. À votre avis, Darren, qui fera la différence dans cette rencontre? Mais comment ne pas choisir Eden Hazard? C'est sûrement l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Il a de la magie au bout des pieds. Oui, c'est un bon choix, surtout s'il a des jambes aujourd'hui. Et il cède sous la pression. En retrait pour repartir proprement. Jorginho. En la profondeur, bien vu. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Jérôme Boateng qui récupère ce ballon. L'interception au bon moment. Peut-être une occasion pour Messi. Ça sent la frappe. C'est bien fait. C'était pas mal, mais le ballon est perdu. Oh, le contre, l'arme fatale. La bonne passe, la bonne interception. Ouais, oui, il était en jeu. Oh, l'erreur! Il tente la frappe! Dommage, c'était pourtant bien tenté! Dans la profondeur. Adriano! Oh, quel bel arrêt! Ah oui, superbe! Premier corner dans cette rencontre. Le centre. Aucun coéquipier pour reprendre le centre. C'est bien fait, ça. Jorginho. Dans l'axe. Énorme occasion. Il était bien placé, ce ballon. Tout simplement imparable. C'est clair, c'était carrément hors de portée pour le portier. Le jeu reprend, ça fait 1-0. Ça ne devrait même pas me surprendre de le voir marquer. C'est un véritable métronome. Non, ça manque d'application. Wijnaldum. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ça fait donc 1-0. Fernandinho. Et la bonne intervention. Jorginho. C'est joué long. Ça ne passera pas. Mais ce ballon en retrait vers le gardien. Le bon ballon. Hazard. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Savic. La passe est précise. Coup de sifflet, fin de la première mi-temps. Les deux équipes regagnent donc le vestiaire avec ce petit but d'écart. Rien n'est bon joué dans cette rencontre. Ils ont fait preuve de solidarité, de qualité technique et de générosité. Ils méritent leur avantage. Un petit but sépare les deux équipes. 1-0 à la pause. La seconde période est lancée. Voyons ce qu'elle nous réserve.
Un petit but d'avance, ils font la course en tête pour l'instant. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. C'est joué long. Oh, voici Hazard. Wijnaldum. Bon service dans la profondeur, sur la gauche. C'est envoyé dans l'axe. Oh, ce centre qui n'est pas passé très loin. La tentative. Wijnaldum. Oh, quel caviar. C'est un bon ballon. C'est une occasion, ça. Et c'est au fond. Deux buts d'avance, la différence est faite. Quelle intelligence dans la finition. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant. Savic. Jérôme Boateng. Giggs. Wijnaldum. Jorginho. Bien, la profondeur. Ça peut être dangereux. Ils alourdissent la marque. Ils comptent désormais 3 buts d'avance. Leurs adversaires sont KO debout là. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez, on ne raconte pas que des bêtises quand même. Et l'entraîneur fait rentrer du 109. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Ce nouveau but vient récompenser tous leurs efforts et je dois dire, c'est mérité. Ça joue long vers l'avant. Ouverture lumineuse. Jorginho qui est récompensé de son pressing. Renato Sanchez. Thiago. Il ne résiste pas au contact. Le ballon dans la profondeur. Alexandro. Jorginho. Giggs. Wijnaldum. En profondeur vers Vardy. Pris au piège du hors-jeu. Oh, la boulette. Le bon dribble. Lukaku. Superbe intervention. Il y aura 2 minutes en plus. Robertson. Thiago. Le ballon dans la profondeur. Il était bien présent. Oh, voilà le coup de sifflet final.
c'est fini. Les défenseurs ont souffert, énormément souffert aujourd'hui. C'est vrai qu'en face, ils ont trouvé une équipe qui avait envie d'attaquer, qui avait envie de faire mal. Elle y est largement pas.